Donc en fait, l'Artival est un événement d'Ethnicar. La première édition a lieu ici en 2012. Donc l'idée était, dans un temps donné, dans un lieu donné, rassembler les créatifs et les tendances créatives les plus émergentes de la ville. En invitant aussi des artistes étrangers, mais en se disant, tiens, qu'est-ce qui se passe pour le moment dans la ville de Liège au niveau dernière tendance, au niveau technologie, dans la créativité. Et on a en fait imaginé l'Artival autour de ça. En fait, on a donc ce lieu, l'ancienne Halle aux Viandes, et on a réfléchi en équipe à comment le remplir d'un point de vue programmation. Donc alors d'un point de vue expo, on est parti sur trois grandes tendances, donc les arts urbains et visuels, la mode et le design, ainsi que les nouvelles technologies et les arts digitaux, enfin dit digital art. Le contenu du festival même, on l'a nourri au fur et à mesure de nos rencontres, donc en développant des partenariats avec des structures qui aident déjà les artistes ou qui sont déjà spécialisés dans certains domaines de programmation. Et c'est comme ça que l'Artival est né. Donc on a voulu coupler différentes formes d'expression, comme la danse, comme l'expression corporelle, comme la musique évidemment, sous toutes ses formes, aussi bien dans la musique expérimentale que dans le circuit de bending. Au niveau du design, bah forcément les nouvelles tendances, c'est forcément la récupération, c'est forcément aussi les Fab Labs, donc les outils de fabrication numérique. Donc voilà, en somme, on a voulu... vraiment éveiller les consciences et le public, et puis aussi le pouvoir public, donc en somme les différents niveaux de pouvoir politique. On a vraiment voulu mettre en scène les dernières tendances. Forcément, il y a des tendances de récupération et il y a des tendances de nouvelles technologies. Donc, on se bat sur des outils informatiques pour créer. Ce qui est chouette dans ces nouveaux principes, c'est qu'évidemment, on tombe dans des nouveaux modèles socio-économiques de récupération, d'open source au niveau des programmes. Donc, c'est une génération qui est connectée. Le fait aussi de recycler vient aussi de l'idée de ne pas toujours gaspiller, donc c'est aussi un acte par rapport à la consommation, les gens qui tapent les jouets pour rien, alors que c'est parfois bêtement une pile qui est mal coincée, un fil qui est défait qu'il faudrait ressouder, et donc on va taper tout un paquet de choses, et donc c'est pas très écologique, et c'est dans l'idée de pas toujours jeter, parfois essayer de recomprendre, parce qu'on est super dépendant de l'informatique, de tout ce qui est numérique, on ne comprend plus du tout ce qu'il y a dedans, et en fait ça nous rend dépendants à cette consommation, alors qu'en fait, on pourrait être bien. Ça permet déjà de démystifier, de se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a une toute petite puce, que c'est pas grand-chose, qu'au fond, on peut réparer soi-même, même voire faire quelque chose de plus. C'est ça que le circuit bending, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est qu'on peut même carrément retransformer l'objet et donc faire quelque chose d'unique qui nous est propre, et pas un objet de consommation de masse. Je crois que maintenant, en fait, tout a été un peu créé. Et je crois que maintenant aussi la création, c'est aussi reprendre des éléments, des outils, des matériaux qui existent déjà, les combiner ensemble et d'en faire quelque chose d'un peu neuf. Voilà, c'est ça qui fait, mais on n'a rien inventé, quoi. C'est l'association de différents objets, différentes techniques, différentes idées qui font que c'est neuf. Donc moi, je sais que j'aime bien faire de la musique avec ce genre de choses parce que j'ai plus beaucoup de boutons. Je customise pour aller un peu plus loin, pour trouver d'autres possibilités. Mais au final, je suis obligé de travailler avec des peu de choses, tandis que sur un ordinateur, on a des millions de possibilités, ce qui ne nous rend pas plus créatifs, en fait. Et peut-être même moins créatifs, parce que du coup,
on passe autant plus à essayer les choses que de vraiment approfondir le sujet. Tandis que là, on a un petit sujet, mais au moins, on est obligé d'aller beaucoup plus loin et de voir ce qu'on peut faire avec peu de choses. Il ne faut pas limiter par la technologie. Moi, d'ailleurs, les stages que je donne ici, c'est des stages où, avec peu de moyens, on peut arriver à faire des super créas. La technologie, elle va tout le temps évoluer, elle va tout le temps changer, elle sera toujours plus performante. Mais l'idée, et après bon, je vais dire, si eux commencent à faire leur création maintenant sur un programme, ben, ils seront peut-être plus la faire parce que le programme a avancé dans 10 ans, ils vont être complètement perdus. Par contre, l'idée créatrice, ben, elle est là et dans 20 ans, elle restera toujours là. Une manière, une démarche de créer, si elle est là, elle restera toujours là. Et je crois que c'est ça qu'il faut apprendre un peu aussi et pas d'être dépendant de la technologie ni esclave de la technologie, c'est de l'utiliser comme un outil, comme un autre. Moi, ça ne me dérange pas de faire un truc très manuel, de le mettre après très technologique ou inversement, ou un truc... voilà. Donc, c'est juste pour utiliser ces outils-là et ne pas en être esclave. Il est vrai qu'on remarque que forcément il y a une solidarité, une diffusion aussi internationale qui est tout à fait différente et qu'il est temps que Liège se tourne vers là parce qu'en temps de crise, c'est justement vers là qu'on doit aller. C'est ce concept de solidarité et de créativité, c'est-à-dire on est tous maîtres de sa propre vie, de sa propre création et à nous d'utiliser justement les paramètres qui sont difficiles dans notre société pour devenir un individu à part entière qui prend sa place dans la société. Nous, à terme, avec Ethnicar, ce qu'on veut proposer, ce sera un festival entièrement numérique ou une exposition aussi entièrement numérique, comme le font déjà les Hollandais, les Allemands, les Français. C'est un but en soi, mais c'est vrai que Liège, il y a du travail.